Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce chemin des extraterrestres. Nous sommes quelque part dans les Alpes Mancelles, mais enfin c'est pas le sujet. Le sujet, eh bien, c'était, je voulais vous parler de ce qu'on voit à profusion sur internet. Ce sont les gens, et alors spécifiquement ceux qu'on prétend, enfin qu'on appelle, qu'on prétend alors hypersensibles, hyper émotifs, hyper je ne sais pas quoi, hyper tout ce que vous voulez quoi. Alors ces gens-là se racontent avec leur nombril bien au centre de l'univers, hein. Et donc ils ont des prétentions de choses à dire, hein. En fait ils n'ont absolument rien à dire, c'est du vent, de la fumée, c'est du moi-jeu qui est étalé sans aucun talent, sans que cela soit captivant. Et alors ils papotent, ils bavardent, ils blablatent sur leur nombril. Ils partent de leurs petits émois, de, comme je viens de vous le dire, d'hyper ce que vous voulez. Hein. Ils parlent de leurs états d'âme, de leurs doigts de pied. Ils parlent de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils pensent, vu sous l'angle de leur hyper ce que vous voulez. Hein. Voilà, donc ces gens-là brassent du vent. Alors ils ne se rendent pas compte qu'ils le disent ça sans aucun talent, et ça n'intéresse personne, et ça n'intéresse qu'eux-mêmes, et ils essayent de prendre en otage la Terre entière, enfin du moins leurs followers, de les prendre en otage de leurs petits états d'âme, de leurs petits émois d'êtres insignifiants, dans le sens où ils ne parlent que d'eux-mêmes, hein, et il n'y a que ça qui les intéresse, au nom du fait qu'ils se disent... À part, eh bien, comme je viens de vous le dire, hyper émotif, hyper sensible, hyper ce que vous voulez, hyper orteil, doigt de pied, voilà. Alors moi, lorsque je parle de moi, eh bien, je parle de vous. Hein, j'essaye toujours d'universaliser mon discours. Hein. Je fais pas du moi-je bête et méchant. Et je m'adresse à vous, au plus profond de vous-même. C'est ça la différence, et je le fais avec art. Moi, je suis un artiste. Et attention, artiste, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de se dire artiste pour être à la hauteur du discours, pour être à la hauteur de ses prétentions. Hein. Encore faut-il être un bon artiste. Alors moi, ça m'amuse beaucoup de voir ça, en fait. Ça me consterne, mais ça m'amuse, quoi. Hein. De voir tous ces gens tellement imbus de leur petite personne qu'ils s'imaginent que le monde entier va être à leurs pieds et écouter attentivement, religieusement, tout le néant qu'ils peuvent débiter à la minute. Alors je vous parle de ça parce que c'est très à la mode, hein, les hypersensibles et hyper émotifs. C'est le culte vraiment de la... Le culte de la petite personnalité, le culte de la petitesse, érigé en, croit-il, en cause géante. Mais ça reste des minuscules petits nombrils, gonflés comme des baudruches. Hein. Voilà, et alors ça m'amuse beaucoup de regarder toute cette vacuité qui est le résultat des scories d'Internet, en fait. Hein. C'est le résultat de... Voilà, c'est le phénomène Internet, hein, qui est à la mise au devant de toute l'insignifiance de l'humanité, des individus. Alors ne vous laissez pas bercer par tous ces discours, par cette logorée creuse, par ces discours lénifiants. Qui vous endorment, qui n'ont rien à dire. Vous savez, c'est comme l'astrologie. Je m'amuse, apparemment, je m'amuse à écouter les boniments vides, creux, de néant. Le néant que les astrologues peuvent débiter. Hein. À chaque seconde, c'est incroyable. Le nombre de conneries qui peuvent sortir. Et surtout, bon, ça encore, c'est pas le plus grave. C'est le nombre d'adeptes qui écoutent, le nombre d'auditeurs... adeptes de ces âneries qui sont là et qui font le succès de ces menteurs professionnels, de ces fabulateurs, hein, de ces
de ces fabricants de vent, de faux rêves, d'illusions. Voilà, une grande partie hein, de l'auditoire qu'il y a sur Internet est prise en otage, mobilisée. C'est comme un gâchis, un immense gâchis d'oreilles en fait. Hein. Tous ces gens sont à l'écoute de sornettes, que ce soit les sornettes des hypersensibles, les sornettes des astrologues, les sornettes de tous les égocentriques dénués de hauteur, de talent, et qui sont là en fait pour lustrer leur ego qui n'en vaut pas la peine. Alors je dis ça, moi j'ai un ego, j'ai jamais dit le contraire. Mais moi, j'ai, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai les moyens de briller. J'ai les moyens d'être prétentieux, d'avoir toute cette toutes ces prétentions là. C'est ça la différence. Toute la différence est là. Alors je vous remercie d'avoir d'avoir eu le plaisir de m'accompagner, hein, parce que j'espère que c'est un plaisir pour vous, de m'accompagner sur ce chemin des extraterrestres, et où j'ai eu ces choses essentielles à vous raconter, à vous communiquer. Voilà, alors je termine la promenade qui dure encore dans environ une heure. Je vous dis à plus tard.